Puis je pense que c'est juste là où j'ai eu un peu de difficulté à savoir où je m'alignais. Ouh! Eh boy, il faut pas pleurer. Bonjour tout le monde! Je capote cette semaine. J'avais tellement envie de partager avec vous que je capote comme une folle parce que je viens d'apprendre que ma chanson Elle sait, cette chanson ici, est numéro 8 au top 100 BDS. Donc, pour vous mettre en contexte, le top 100 BDS, c'est le top 100 des chansons le plus jouées du Québec. Donc, dans les radios commerciales, c'est les chansons qui jouent le plus souvent dans le top 100, OK? Puis Elle sait se retrouve numéro 8! Honnêtement, OK, je suis comme un enfant en ce moment, puis c'est important pour moi de faire cette vidéo aussi pour remercier les auditeurs qui écoutent la radio, que ce soit les radios commerciales ou communautaires. Merci de me jouer, merci de jouer ma chanson Elle sait. Merci aux auditeurs de demander la chanson en demande spéciale. C'est grâce à vous que ma chanson est numéro 8. C'est incroyable, je suis comme dans une sandwich de Caïn en deux de leurs chansons. C'est juste wow! Pour moi, c'est magique. D'ailleurs, ma chanson Elle sait, c'est une chanson pour moi qui vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai écrit avec John Nathaniel, moi. Puis c'est une chanson que j'ai écrite qui a comme libéré beaucoup de sentiments. Puis quand même, j'avais envie de vous peut-être vous mettre en contexte un peu avec la chanson Elle sait, si vous l'avez pas écoutée. C'est une chanson que j'ai écrite à propos de juste continuer et de ne pas lâcher. C'est un peu comme une chanson qui est d'espoir. Depuis que je suis dans ma vingtaine, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de remises en question sur est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je vais pouvoir bien vivre dans ma vie, est-ce que je fais plaisir à mes parents. Pas parce que je pensais que je voulais pas chanter, parce que j'ai toujours su que j'allais chanter, puis c'est ce qui me rendait heureuse. Je veux dire, j'adore la musique, puis la musique c'est ma vie. Mais viens à un moment donné où est-ce que tu penses à ton futur, à ce qui va pouvoir te faire vivre, ce qui va pouvoir faire vivre ta famille. Puis je pense que c'est juste là où j'ai eu un peu de difficulté à savoir où je m'alignais. Ouh! Eh boy, il faut pas pleurer. OK, minute là. Oui, j'ai eu un moment où je pense que je me suis mis beaucoup, beaucoup de questions sur mes choix de carrière. Puis j'étais rendue dans, à 22, 23 ans. Puis on dirait que, pas que ça avançait pas assez vite, je sais qu'il faut mettre beaucoup de temps, mais à un moment donné, c'est ça, vient le temps où ce que tu te dis, Colin, les billes qui se fassent payer, j'ai envie d'avoir une famille un jour, puis d'avoir un mari qui va vouloir être avec moi, qui va vouloir supporter une musicienne. Pas me supporter, puis je vais pas me supporter moi-même, mais qui va être capable de faire comme, oh my god, c'est ma femme, c'est une musicienne, puis je l'aime de même. Parce que les dernières années ont été très difficiles avec des fréquentations ou des gars que j'ai daté. Ils ont toujours eu le gros point d'interrogation sur le fait que moi, je voulais être musicienne dans la vie, puis je pense que moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va me supporter à 100%. Là, je dépends un peu, mais en tout, c'est ça. Ma chanson, elle sait, c'est juste, elle sait que ça ira. Tu sais, malgré tout, malgré les moments difficiles, malgré les remises en question, malgré que des fois, ça va pas toujours comme qu'on veut dans la vie, ça va aller. On est tous ensemble, puis on vit des situations similaires, puis je pense qu'on a juste besoin d'être soutien ensemble, les filles, puis de savoir que ça va aller. La chanson, elle sait, vient de là, puis je pense que c'est pour ça que j'ai tellement voulu et incité de faire le vidéoclip moi-même, réaliser le vidéoclip à l'aide de mes merveilleux amis. C'était vraiment une idée de fou, mais j'aimais tellement la chanson, j'avais tellement envie de montrer au monde un peu comment que je percevais ma chanson, elle sait. Donc j'ai demandé à un de mes meilleurs amis, Mathieu Daou, de filmer et de me donner ses talents de production. Il est tellement talentueux, fait que merci Mathieu pour m'avoir aidé à mettre ces idées folles dans ma tête, concrètes. Merci à Tracy-Anne Gagnon. Tu as cumulé tous les morceaux de puzzle ensemble parce que sache que travailler avec moi, c'est pas toujours facile, mais merci Tracy-Anne d'être toujours là. Merci à mes amis Vanessa, Roxane, d'être venue faire le maquillage et la coiffure. Donc, je pourrais pas plus vous remercier. Merci Michel Benac de m'avoir fait confiance. Je pense que la vidéo qu'on a faite, on a eu du fun. Puis vous voyez dans la vidéo de l'essai que c'est naturel, c'est humble. On a eu la chance d'avoir 40 filles qui ont auditionné pour être dans mon vidéoclip, puis ça m'a vraiment touchée que vous avez voulu faire partie de mon vidéoclip. Donc juste là, mon cœur était gros de savoir que les gens croyaient dans mon projet autant que moi. On n'a pas pu choisir tout le monde, mais ça a vraiment été juste une affaire de diversité. Donc merci aux filles et aux femmes qui ont participé dans mon vidéoclip. Vous êtes merveilleuses, vous êtes belles, vous êtes fines, vous êtes forte! Mon vidéoclip est rendu à 12 000 views en peu de temps. C'est capotant de voir à quel point vous aimez la chanson. Ma chanson a quasiment 200 views de plus par jour. Donc, honnêtement, merci. Je sais que j'ai dit tout le temps, j'utilise tout le temps les mêmes mots, mais parce que je vous aime trop, puis je vous remercie juste trop. Donc, encore là,
Merci à tout le monde de croire en moi. Ma chanson Elsie est numéro 8 dans le top BDS. J'espère qu'elle va juste monter parce que ça fait quand même 24 semaines. Guys, ça fait 24 semaines, ça c'est la moitié d'un an que ma chanson est dans le top 100. C'est... Je peux même pas croire ce qui se passe en ce moment. Pour moi, c'est très très important de dire à quel point je suis fière de mon équipe et que je suis fière de où qu'on est rendu. Je vous aime de tout mon cœur. N'oubliez pas de subscriber, de follower, de faire tout ce que vous pouvez avec mon YouTube channel. Je vous aime. Gabrielle Goulet, out. T'aurais beau m'appeler, te mettre à genoux, tous ces mots, tout je m'en fous.